Salut, c'est Pierre, mon coach de sax. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis si je trouve que le saxophone est plus dur que le piano ou pas forcément. Réponse tout de suite après le générique. Alors, le piano, c'est un peu l'instrument référence. Et pourquoi en fait je compare ces deux instruments? Parce que souvent on a l'impression que le piano, voilà, c'est l'instrument le plus facile. Et après tous les instruments, tels le saxophone, la trompette, etc., c'est des instruments hyper compliqués à jouer parce que voilà, il faut souffler, etc. Donc on a l'impression que c'est hyper compliqué. Alors moi, je vais vous donner mon point de vue parce que moi je fais aussi du piano. Ça fait plusieurs années que je joue également du piano. Je pense pas encore avoir un aussi bon niveau qu'en saxophone au piano. Mais ça fait quand même plusieurs années que je joue du piano. Donc j'arrive à voir un peu, j'arrive à me faire un peu à l'idée des deux instruments. Et pour moi, en fait, quand on touche un piano, on va directement pouvoir sortir une note. Donc ça va être beaucoup plus facile par rapport à ça que le saxophone. Il faut quand même avoir la technique pour pouvoir sortir une note. N'importe qui ne peut pas jouer une note comme ça. Alors qu'un piano, vous le mettez n'importe où. Quelqu'un touche une note du piano, ben voilà, il a joué quelque chose au piano. Au saxophone, c'est pas aussi facile. Il faut avoir la technique du souffle. Mais hormis cette technique du souffle, je trouve qu'après c'est beaucoup plus facile de jouer du saxophone parce que voilà, on n'aura pas deux mains, on aura deux mains, il faudra jouer avec nos deux mains, mais ce sera uniquement pour faire une note à la fois, alors que le piano il faudra voilà, gérer les accords, etc. En plus des pédales, donc je trouve que par rapport à ça, c'est plus complexe de jouer du piano que du saxophone. Le saxophone, la seule différence, c'est que la seule chose qui est un peu plus compliquée, c'est voilà, il faut arriver à souffler. Mais hormis ça, j'ai l'impression que pour moi, le piano reste quelque chose de plus compliqué à jouer que le saxophone. Et souvent, en fait, c'est l'inverse. Si on demande à n'importe qui, j'ai l'impression, dans la rue ou quoi, de faire un sondage, on fait un sondage, on demande entre le saxophone et le piano lequel est le plus dur à jouer, souvent on nous répondra bah, c'est le saxophone, ça a l'air plus compliqué à jouer. Parce qu'à première vue, voilà, on voit un instrument tout doré comme ça, avec plein de touches de partout. On a l'impression que c'est hyper compliqué, alors qu'en fait, pour moi en tout cas, et je pense pour plein d'autres personnes aussi, c'est plus facile à jouer parce qu'on joue une note à la fois et on n'a pas besoin de jouer les accords en plus de la main gauche, la pédale, etc. C'est pour moi moins compliqué. Donc une fois que tu sais souffler, une fois que tu as arrivé à commencer à faire tes premières notes, t'inquiète pas, ça vient. Si t'as pas encore, un énorme niveau au saxophone parce que tu viens de commencer, t'inquiète pas, ça va vite venir et c'est pas l'instrument le plus compliqué. Voilà, laisse-moi en commentaire toi pour me dire ce que t'en penses. Si ça se trouve, toi tu vas penser que le piano c'est quelque chose de plus facile que le saxophone. En tout cas, ça m'intéresse, donc laisse-moi un commentaire pour me dire. Et sinon, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao!